Alors là, je suis en train de réviser. Pourquoi? Parce que mine de rien, là, vous êtes en face d'une nouvelle estafette, camionnette, fourgonnette, peu importe comment vous l'appelez. Mais en tout cas, si ça ressemble à quelque chose genre Toyota, bah sachez que là, vous voyez le logo là? C'est Maxus. Alors qu'est-ce que c'est que Maxus? C'est une nouvelle marque chinoise qui est en train de s'implanter en France et ça va être les spécialistes de l'électrique et du véhicule utilitaire. Et donc là, vous êtes en face d'une toute nouvelle génération. Et d'ailleurs, c'est comme le port salut. C'est écrit en gros là. E-Deliver 5. Et là, vous avez l'éclair. Pourquoi? Parce que c'est 100% électrique. Et l'une des spécialités de cette marque, c'est donc de faire des véhicules plutôt pratiques, pas trop chers. Attends, c'est combien le prix de départ? 38 000 euros, quelque chose comme ça, et ça monte un peu. Et dedans, vous avez 66 kWh en batterie. Bah, c'est original ça, non? Je vais passer de l'autre côté d'ailleurs. Bah, vous étiez où? Je vous cherchais. Alors, qu'est-ce qu'on sait d'autre sur ce E-Deliver 5? Bah, que vous avez plusieurs tailles, longueurs et aussi contenance. Parce que vous pouvez avoir un toit surélevé, vous pouvez avoir un châssis rallongé. Bah, tout ça, c'est dans le E-Deliver 5. Donc, et puis moi, je trouve plutôt assez joli, quoi. Pour un... Parce que là, vous êtes en face d'un Trafic, quelque chose comme ça. C'est plutôt assez sympa. Et d'ailleurs, l'essai est déjà sur la revue automobile, les gars. Il va falloir y aller. C'est Fabien qui s'en est occupé. Vous aurez des photos, les fiches techniques, les prix, vous aurez tout dedans. Donc, bah, il faut y aller, hein.